Bonjour à toutes et à tous, donc présentation de la nouvelle guitare 9 cordes, tout droit sortie des ateliers de Laurent Huchard. Alors 9 cordes, pas seulement une corde de plus que la 8 cordes d'il y a une douzaine d'années, mais c'est 4 cordes doublées, donc 8 plus une basse, donc on arrive à 9. Donc c'est une autre disposition, un autre jeu. Une guitare aussi plus courte, pour avoir une longueur de corde vibrante plus réduite, pour pouvoir jouer un peu plus aigu encore, sans risque de casse de cordes. De là, une forme de caisse complètement différente. Laurent a bossé sur un nouveau moule pour dégager les aigus, enfin, etc. Donc en plus, ça fait une forme qui est superbe. Et puis les bois. Alors le Cocobolo, donc un set de Cocobolo que Laurent avait depuis un certain temps dans son atelier et dont il voulait bien en faire quelque chose. Voilà, un côté très animal. Donc c'est largement aussi, voire peut-être plus performant que le palissandre du Honduras qui renvoie déjà beaucoup le son. Voilà, avec des belles petites parties d'aubier que Laurent a conservées. Donc on a des belles choses, des beaux dessins. Une table d'harmonie en épicéa du Jura, pour le coup c'est un bras local, un bois local. Et une touche en ébène de Crélicam, qui est un ébène qui n'est pas noir pour une fois, qui est plutôt marbré, et voilà, qui évite à mon sens de rendre le son un peu épais, mais plutôt au contraire de le rendre un peu brillant. Voilà, donc voilà un petit peu tous les bois qui constituent cette guitare. L'accord de la guitare, pour l'instant je suis parti sur un si bémol, sol, do, fa, si bémol. Voilà. Donc toutes les cordes sont doublées, sauf la basse, et le sol est doublé à l'octave, comme on peut le trouver sur un saz d'ailleurs. Ça permet de faire la transition entre la corde très grave et les cordes très aiguës. Ça fait une corde de passage qui me semblait intéressante. Voilà. Et puis ben, le son, c'est super et ça n'a pas fini de prendre du son. Donc il faut la jouer, ouvrir à de nouvelles compositions, de nouveaux projets, des nouvelles partitas de Bach aussi. Voilà, et donc c'est parti.